On dit anime et d'aber ivrit. Ivrit, c'est l'hébreu. C'est toujours. Toutes les langues sont au féminin en hébreu. Hein. Le mot safa, qui veut dire langue, est au féminin. Tsarfatit, ivrit, sfaradit. Sfaradit, l'espagnol. Tsarfatit, le français. Tsarfatit n'a rien à voir avec Madame Sarfati. Hein, attention. Bon, on n'a rien à voir, mais ça a un petit peu à voir. Ivri, ça veut dire qui veut dire hébreu. Ivri. La première fois dans la Bible que est utilisé le mot ivri, c'est au sujet de Abraham. Abraham, qui était le premier hébreu. On dit qu'il s'appelle hébreu, ivri, qui vient du mot la avor, passé. On dit qu'il est le premier ivri parce qu'il a, il a été le premier à passer le Jourdain. L'Avor est à Yarden. Ou Avar est à Yarden, il a passé le Jourdain, il est devenu ivri. Vous voulez suivre notre formation en ligne à Cours d'Hébreu le Club? Alors rendez-vous sur acoursdhebreu.fr et apprenez l'hébreu comme jamais en profitant d'un e-learning de A à Z. Ou devrais-je dire de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien et merci à notre partenaire Beivrit.